Il n'en restait que trois, Titane de Julia Ducournau, Palme d'or du dernier festival de Cannes, L'Événement des Horées d'Aïwan, Lion d'or à Venise qui sortira en salle le 24 novembre, et, enfin, Bacchanal, le film lequel allait représenter la France dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est finalement Titane qui a été choisi par le choix du panache, pourrait-on lire. Florent Zeller, Iris Knobloch, Alain Golson très fier que Titane, film particulièrement exceptionnel, puisse porter les couleurs de la France dans la compétition pour l'Oscar du long métrage international et rejouit Dominique Boutonnat, le président. A noter que le film n'est pas encore assuré de la shortlist des prétendants à l'Oscar du meilleur film étranger.